My grandmother. Well, she was, I think, the greatest person I've ever known in my life. She was full of love, and she actually said something when I was 7 or 8 years old, and it has remained to be my principle of life. Look, children, you fill your heart with love. There'll be no room left for fear or anger. And you know, I've never forgotten that. It works. And especially I love it because it works in my work. To me, it's the most important thing is when you're doing a film or a play on the stage, to love the people you work with. And sometimes it takes you 3 or 4 days to win their love. But finally, on the 3rd or 4th day, invariably, you love them and they love you. And that because of that, the work becomes inspired. It becomes romantic, stylized, poetical. And everybody loves it and enjoys it. And the result usually enjoys the audience. Thank heaven, because that's what I always try to do, you know, to put love in. Mamounian, il a une idée très nette de la littérature européenne, hein. Il est très conscient de ce qui se passe en France, en Londres, à Londres, etc. Quand il est arrivé aux États-Unis, il était regardé comme un sophistiqué, n'est-ce pas? C'est la même chose avec Archibald Gorky. Quand il est arrivé à New York, tout le monde a pensé, tous ces peintres qui étaient américains, ont pensé, ben, il est doux ce type, il connaît tous, il connaît le Picasso, il connaît le Cézanne, il connaît tous les petits détails, il connaît la littérature, etc. Mamounian, même chose. À cette époque, 60% de la population de Tbilissi était arménienne. Bon, ils étaient partout, dans le domaine bourgeois, dans les arts, dans les métiers, partout. C'est pas par hasard que le maire de Mamounian était déjà dans le théâtre. Son père était officier de l'Empire russe, n'est pas des artistes. Et Mamounian était autour de tous ces gens. Mamounian's mother was president of the Armenian theater, and in their house, everybody, all the artists of the period, actors, directors, musicians, were present at memories of Shalyapin singing in their house. So he was very well brought up in a cultural milieu, which was the avant-garde of the period. And when he went to Moscow to study law, he saw this little announcement of the evening classes with Vakhtangov, who was running the Moscow Art Theater's experimental studios, to participate. And in Vakhtangov's classes, he learned something which was very much related to the rhythm, the notion of the rhythm. Je suis trouvé à Londres où j'ai mis ma première pièce de théâtre en scène en anglais. Et puis, j'ai reçu une offre de M. Jacques Héberton, qui était le chef de théâtre des Champs-Élysées à ce moment-ci. Et je suis venu à Paris pour le voir. Quand il m'a vu, il était un peu choqué parce que j'étais très jeune. Et, mais après avoir eu plusieurs conversations, il m'a offert un contrat de travailler au théâtre des Champs-Élysées comme metteur en scène avec M. Louis Jouvet et il y avait encore M. Toyer. La soirée avant de signer le contrat, j'ai reçu une offre de M. Georges Eastman, qui était le chef de Kodak, avec une offre qui m'invitait en Amérique pour mettre en scène des grands opéras en anglais à Rochester. J'étais si intrigué par l'idée du nouveau monde, de l'aventure, d'un voyage pareil, que j'ai prié M. Héberto s'il voulait me laisser partir.